Hey, c'est tout le monde, c'est plus game. Oh là là, le mec a trop de mal. C'est tout le monde, c'est plus canal, j'espère que vous allez bien. Voilà, on en était à là, donc je vous rappelle, hein. On venait d'ouvrir cette porte et là, il y avait l'épouvantail juste devant nous. Donc on va voir ce que ça donne. Hop! Let's go, ma gueule. C'est pas qu'il arrive lentement, mais un petit peu quand même. Ah, d'accord, mon gars, il fait des saltos en l'air, mon gars. D'accord, donc. Attends, il y avait l'épouvantail ou pas? Non, je croyais avoir vu les points de taille. D'accord, c'est pas très grave. Je croyais avoir vu les points de taille en fait. C'est pour ça, mais c'était pas du tout lui. D'accord, j'ai un petit peu déçu sur le coup, je vous cache pas. Bon, pas grave. Alors, on va ouvrir la porte. D'accord, porte verrouillée. D'accord. On va prendre le gel explosif. Hop. Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Notre vieil ami, Monsieur Stagg, a manqué à son devoir qui consistait à garder le déluge chargé et prêt pour l'opération. Nous allons devoir nous en occuper nous-mêmes. Je veux des hommes au laboratoire de recherche pour transporter les cellules d'énergie et charger le dispositif. Et je veux encore plus d'hommes pour les défendre. Ne me décevez pas. Donc... Non, 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 wow. Tu me fais quoi là, dude? Voilà. Bon alors attends, là j'ai pris contrôle du dirigeable, on est d'accord? Parce que au cas où. Bon, c'est vrai que ça m'avance pas à grand chose là ce que je viens de faire. Carrément. Est verrouillé. C'est bon, il y a un truc à péter là. On fait dans les deux sens, hein. Alors qu'est-ce qu'a cassé là? Il y a ça qui a pété. Alors il faut peut-être que j'y aille à plusieurs reprises. Voilà. C'est nice. Hop. Analyser les trophées actuellement inaccessibles. J'avoue, je comprends pas trop ce qu'il vient de me dire. Oh, ils ont pris cher, hein. Eh, c'est quand même méga glauque parce qu'il y a des cils. La nouvelle formule est une merveille. Le gaz traverse. Quand le docteur Crane est venu me trouver, j'ai cru qu'il avait enfin compris la valeur de son expertise en chimie. Mais non, il sentait à être l'épouvantail. Ce fou invente une formule qui pourrait guérir la dépression ou faire en sorte que toute une armée se retourne contre son propre camp. Et il l'utilise pour effrayer les gens. D'accord, Dr. Crane. Je poursuivrai vos travaux sur le déluge. Mais je continuerai aussi à travailler sur votre toxine. C'est une mine d'or. Alfred, Stagg et l'épouvantail collaboraient sur un projet portant le nom de Code Déluge. Mais dans ce cas, monsieur, pourquoi l'épouvantail attaque-t-il Stagg? Stagg a dû essayer de le doubler. Il veut le dispositif. Je vous débloque l'accès au réseau informatique de Stagg. Cherchez ce que vous pouvez trouver sur le déluge. Je veux savoir ce que c'est. Entendu, monsieur. Alors, bon, je vous avoue, plus on avance, je trouve quand même l'histoire assez intrigante.
hein, n'est-ce pas? Bon, là, je pense qu'il y aura une cinématique, donc je dirai ce que j'ai à dire après. J'ai tant d'argent que même Batman ne pourra pas nous stopper. D'accord, il a pris 3 tarifs, mon gars. Mais t'as pas fait ça va, mec. Je suis vraiment désolé. La gonflette, hein, oh non, tu l'es pas qui a des bras, mon gars, c'est deux fois mes cuisses. Quand l'épouvantail remplira ta cellule, par contre, là, oui, tu le seras. Oh, pitié, non. En tout cas, lui là, il aura passé une mauvaise, soirée. Hein, en neutralisant la mitrailleuse, je risque d'attirer l'attention. Je devrais m'en occuper en dernier. D'accord. Très bien, messieurs. Il faut qu'on charge. Ah, attendez, je baille. Le mec est fatigué, tu sais, qui fait des vidéos, qui est fatigué. J'étais en train de dire, alors, plus l'histoire avance, c'est vrai que je trouve ça quand même assez intriguant. Je me demande quand même qui est le chevalier d'Arkham, comment on va retrouver Barbara, tout ça. Il y a le Joker qui fait encore le connard là-bas. Regardez-le. Mais. Alors, attendez, elle était où ta mitraillette là? Notre travail touche à sa fin. Mes calibrages sont presque terminés et le déluge sera bientôt chargé. D'ici là, continuez à m'apporter des cellules d'énergie. Mais je vous avoue que je préférais quand même un petit peu Batman, Arkham Asylum et Arkham City. Mais surtout Arkham Asylum parce que je préférais carrément plus le comment dire. Bah, le principe en fait, voilà. Là, je trouve ça un petit peu pas futuriste parce que c'est pas futur. Enfin, bon, c'est un petit peu futuriste tout ça, mais je trouve ça part un peu trop loin. Voilà, tout simplement. Et j'aimais bien le côté un peu basique qu'il y avait Arkham Asylum, tout en gardant une intrigue, tout ça. Enfin, j'aimais vraiment bien. Et voilà, là, je trouve que c'est un petit peu trop abusé. Voilà, c'était mon avis après. J'ai vu de mes propres yeux. Il est plus de la réserve de gaz. Oh, il utilise une sorte de fumigène. Il est plus de la réserve de gaz. Ah, Batman, comme tu veux. Ok, on a pris tarif, les gars. On va attendre de régénérer un peu notre vie. Si elle se régène, ouais, elle se régène. Non, elle se régène pas du tout en fait. Elle se fout littéralement de notre gueule. Oh, je suis mort, les boules. Ah, les boules. Les testicules. Ah, c'est un peu la déche là. Puis on va voir. Tu vas mourir. Et ta légende mourra avec toi. Très bien. Merci. Ça fait plaisir. Je pense que cet épisode sera pas très long, hein. Je tenais à le dire. Et après, je vais aller me coucher. Le mec fatigué, tu sais. Oh putain. Ce sera l'épisode où je baille comme un gros porc. Ah, il est beau le Joker. C'est un BG, franchement. Il a tout pour lui. Le sourire, le fond de teint, la couleur de cheveux. Magnifique. Laissez-moi partir! J'ai tant d'argent que même Batman ne pourra pas nous stopper! Mais t'as pas pu t'empêcher de trahir l'épouvantail encore un peu plus! Écoutez, je regrette. Ah, il a trahi l'épouvantail! Donc on en apprend un peu plus, en fait, j'avais pas écouté oh la première non, fois. Tu l'es pas encore. Quand la toxine de l'épouvantail remplira ta cellule, par contre là, oui! Tu le seras! Oh pitié, non! J'ai vu ce que cette chose faisait, s'il vous plaît. Donc en fait ça veut dire qu'il a fait une connerie, parce que Batman au début lui a demandé qu'est-ce que vous avez fait comme connerie entre guillemets. Et il a dit j'ai rien fait du tout. Donc, en fait ça veut dire qu'il a vraiment fait une connerie. Il faut qu'on charge le déluge et qu'on empêche Batman d'atteindre Bruce. Manquez un seul de ses objectifs et je veillerai en... Tac. Alors le mec à la mitrailleuse, il est où? Cible perdue, dispersion, shérif, ici à l'écart. Voilà. Fidaille. Tu vas finir comme les... Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon grand? Il est mort, quoi. Hop. On le fait descendre et on lui demande.
C'est quoi ce slow motion là qui s'est passé là? J'ai pas compris mon gars. Ok, on se barre. L'épouvantail, mon gars, on va le baiser hein. Toi, tu dégages. H. Alors, il est où ton putain de déluge là? Oh, il a un pompe, ça se fait mal. Vite. Casse-toi. Ok, ça c'est nice. J'aurais pas dû aller là parce que ça craint de ouf quoi. Hein? Notre travail touche à sa fin. Mes calibrages sont presque terminés et le déluge sera bientôt chargé. Ok, il en reste plus qu'un. D'ici là, continuez à m'apporter des cellules d'énergie. Ok, ouf. Voilà, un petit coup de tête bien placé, mon gars. Le gouvernail des hommes de la Complée, cette nouveau martyr d'une seule chose. Il ne nous reste que quelques secondes. T'es prêt? Pas encore. Vous devez me faire sortir d'ici. Ils sont cinglés. Vous m'avez menti. Préparez l'extraction. C'est votre dernière chance, Stagg. La dernière. Bon, d'accord. Écoutez, l'épouvantail m'a contacté. Il avait besoin de mon aide pour le déluge. À quoi il sert? Ah, c'est un bâtard en fait. Non. Les laissez pas me toucher. Ce foutu déluge, Stagg. Dites-moi à quoi il sert. Je ne sais pas. J'en ai partout sur la peau. Ah, ils sont en train de me craper sur le visage. T'es en train de prendre tarif, mon gars. Je devrais vous abandonner à vos cauchemars. D'accord. Il a pris tarif, n'est-ce pas, hein, le genou. Donc j'imagine qu'on va aller là, non? Oh putain, ta gueule, quoi. Le moment qu'on attendait tous les deux. L'épouvantail est en bas. Veux-tu l'arrêter et sauver Oracle? Ou vais-je encore profiter de ce gaz délicieux pendant qu'elle meurt sous tes yeux impuissants? Attends, il y a deux épouvantails. Comment on décide? Je sens que je vais avoir un screamer dans la gueule d'ici 3 secondes. Approchez! Venez jouer à trouver le véritable. Dommage, Batou. Ouais, je pense à toi, on devait se tromper, même si j'aurais choisi celui de droite, je me serais trompé. Je pense. Après, je dis ça, je dis rien. Tu n'es pas en train de mourir, c'est juste une impression. Ma toxine remplit tes poumons, elle te noie dans tes plus grandes peurs. Qu'est-ce que tu vois? Une ville qui a sombré dans la terreur? La trahison de ceux en qui tu es le plus. Batman, tu prends cher. Oh putain, on a une belle vue sur ses couilles là. Les plus sombres révélés. Gotham regardera pendant que je mettrai en pièces ton esprit. J'arracherai ce masque de ton visage et le monde entier verra la peur dans tes yeux. Alors, ils comprendront, eux aussi. Non, il n'y a pas de sauveur. Plus d'espoir. Plus de Batman. C'est peut-être déjà le cas. Quoi? Regardez-moi, je déchire grave. Et ce corps, il est balèze, c'est incroyable. C'est ouf, mon gars.
Batman, genre, c'est le Joker qui a pris possession de mon corps, c'est... Par contre, il est passé où, l'épouvantail, là? Quelle brutalité. Il a une sale gueule, Batman, par contre, là, il fait peur. Plus que le Joker. Attends, what the fuck? Attends, what the hell? Eh, je suis sûr que c'était pas lui. Attends, gros, là j'ai rien compris, là je comprends que dalle, mon gars. Ce n'est plus pareil. Tu es spécial. À ce stade, je dirais qu'il est encore en chantier. Mais c'est vrai qu'il y a du potentiel. C'est fini. Inutile de courir. Je n'ai jamais dit que j'allais courir. C'est qu'une pure merde. Ah le bâtard. Oh trop dark. Ah tu te relèves Batman. Oh t'es sérieux ou quoi? T'es le mec. Ah la lune hein, toujours plus grosse bien entendu. Hein. Ok, les ailes de la peur. Petit trophée, ça fait plaisir. Monsieur, l'épouvantail diffuse un message dans toute la ville. Il faut que vous voyez ça. Qu'est-ce que ça fait de voir ta ville sur le point de sombrer et tes amis sur le point de mourir? Cette fois, tu as atteint tes propres limites, Batman. Et ton échec sera bientôt incontestable. Alors au pire, il n'y a plus personne dans la ville. Quand la dernière étincelle de je vois pas où est-ce qu'il veut propager ça, peut-être en face là. Elle saura que c'est toi le seul responsable de son malheur. D'accord. Alfred, il a emmené Oracle dans son repère, à Chinatown. Je suis en route. Faites vite, monsieur, je vous en prie. Qui sait ce qu'il va lui faire? Allez, let's go les gars. Ok, c'était pas mal. Alors. Là, je vous avouerai que je sais pas trop comment... Qu'est-ce qui s'est passé, pardon. Il s'est battu contre qui, en fait? En fait, il s'est battu contre du vent. Enfin, c'était un peu space. Je sais pas si les hallucinations du Joker vont venir, je sais pas. Peut-être, enfin, ouais, sûrement que si, parce qu'on l'a vu quand il avait repris à peu près sa conscience. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que il a toujours les hallucinations du Joker. C'est-à-dire que le Joker est ancré en lui, en fait. Enfin, je sais pas. Et on en sait toujours pas plus aussi sur, vous savez, ceux qui ont la maladie du Joker, là, qui sont dans une espèce de cellule, là. Et il en manque un, ou je sais pas trop quoi, au début, là. C'est pas stylé, mon entrée. Quoi? On arrive le plus vite possible et Crane l'a déjà tué? Oh, il a pas le sens du spectacle. La peur est une affaire de mise en scène, Batman. Nous le savons, et c'est pourquoi j'ai mis au point ce petit spectacle. Oh ! Un point pour tronche de sac. Oh, voilà la toxine. Oh là. Je peux presque la sentir. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Baba ! Oui, tu la vois maintenant. L'horreur derrière la glace. Monstre qui causera ta perte, à moins que tu prennes cette arme et que tu l'arrêtes. N'écoutez pas. Pitié, pitié, non. Baba, c'est moi. Votre ami. Tu ne mourras pas. Quoi? Je ne laisserai pas faire. Et tire pas, meuf. Eh mais meuf, mais... Tu apporteras la mort à tous ceux qui te soutiennent.
Oh meuf, qu'est-ce que t'as fait? Monsieur, qu'y a-t-il? C'est fini, Alfred. Comment ça? Barbara. L'épouvantail voulait me punir. Bro. Il l'a tué. J'ai juste envie de rage-quitter le jeu à ce moment-là, gros. Seigneur, monsieur, restons concentrés. Pour les habitants de Gotham. J'aurais dû la protéger, Alfred. Elle est morte à cause de moi. Ah, c'est tendu, la discussion là. Écoutez-moi. Les fichiers de Stagg ont révélé le rôle du fameux déluge. C'est un engin de dispersion. Vous ne voyez donc pas? L'épouvantail a les moyens de répandre sa toxine de peur sur la ville entière. Vous l'avez empêché de la rendre opérationnelle, mais ce n'est qu'une question de temps. Monsieur, m'entendez-vous? Il a entendu. Il se demande comment il peut encore se supporter. J'avoue. Là, c'est Maître putain de Bruce, tendu, les gars. La mort de Mademoiselle Gordon... Oh, il ne faut pas que ce soit en vain. Tu ne peux pas la ramener. Bon, j'avoue, il va me casser un peu les couilles avec sa boîte pétasse, là, tout ça. Plus de chagrin, plus de peur. Mais Parole de c'est tendu de ouf. Hein. Elle est morte comme une merde, quoi. Oh, non. Voilà. Monsieur, Alfred, faites une analyse satellite de la ville. Tenez-moi au courant. Ça se trouve, elle est pas morte. Et après, vu comment il a l'air d'être assez sombre, ce dernier opus, ça serait possible qu'elle soit morte. Hein. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Vous pensez qu'elle vous aidera? Disons qu'elle n'a pas le choix. Après, où est le sang? Peut-être que c'était des balles tirées à blanc. C'est le mec. D'ailleurs, grosse mise en scène, tout ça. Ouais, c'est un petit peu tendu en tout cas pour Barbara. Là, je suis un petit peu déçu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bref, c'est un peu choquant, hein, n'est-ce pas? Je sais pas ce que c'était, sans droit, peut-être qu'il y avait un bonus, bon, bref. Alors je pense que là il risque d'être très très mal psychologiquement, donc notre perso risque de prendre cher, je pense. Ouais, faut voir. Déjà il voit le Joker, en plus Barbara vient de crever, Gordon il va l'apprendre. Après voilà. Je sais pas trop quoi dire. Là on est grave dans la merde. C'est quand même super star leur parking. Putain, mais qu'est-ce que je vais dire? On n'a toujours pas de nouvelles du commissaire. Pourquoi est-ce qu'il ne nous laisse pas l'aider? Continuez comme ça, Batman. Plus on reste dans le combat, plus on a de chance. D'accord. Contente de vous voir, Batman. Salut, meuf. On a interrogé tous ces mercenaires, en vain. Ils nous prennent pas au sérieux, Batman. Ils ont pas peur du tout. T'as entendu la milice? Ils disent que l'épouvantail a une arme. C'est du bluff. Pourquoi il est vert? Pourquoi ils mentiraient? Laisse-les parler. Ils veulent juste nous provoquer. Hé, hey, Batman. Comment ça va? Ah bah moi ça va nickel, écoute, là je viens de perdre ma pote. L'épouvantail, il se porte très bien. Voilà quoi, après je vois le Joker, quelques petites hallucinations à droite à gauche, mais sinon ça va nickel. Et toi? Ah ça va, tranquille. Ryder. Batman, je suis flatté. Dis-moi, quel bon vent t'amène? C'est dangereux, tu ne devrais pas être là. Attends, qu'est-ce que tu dis de ça? Une affaire de sacrifice rituel? Tu es déjà tombé sur ce genre de truc? Demande à Cash une escorte et va-t'en. Pas question, je tiens le scoop de ma vie là. Je vais faire la couverture. Vel va être verte de jalousie. Il paraît qu'elle sort avec Bruce Wayne. Ok, ses parents sont morts. Et après, je suis sûr qu'il s'en est vite remis en voyant son compte en banque.
Oh, t'as envie de lui foutre une grosse tarte à ce moment-là. Parce que c'est vrai que le mec a un peu tout perdu, Bruce Wayne, finalement. Va-t-il se tirer une balle dans la tête après. La fin du jeu, tu vois. Je veux dire, le mec, il a perdu ses darons, les darons. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce dirigeable ? L'épouvantail a pris le déluge. C'est pas bon, j'imagine. Où est Gordon ? Toujours à la recherche de Barbara. Il est injoignable. Dites-moi que vous l'avez retrouvé, Batman. Cash. Je suis désolé. Non, ne dites pas ça. Pas elle. Si Gordon revient ici, enfermez-le. Ça ne peut que mal finir s'il s'attaque à l'épouvantail. Oh là 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 là. Et en tout cas, c'est putain de... Enfin, à chaque fois, mon gars, je le dis, mais... Waouh, quoi. C'est tellement magnifique, cet endroit. Donc, allons parler à la demoiselle en détresse. C'était Wayne Enterprise. Allez, meuf. J'ai besoin de ton aide. D'après ce que je vois, tu as plutôt besoin d'un miracle. Pourquoi le gaz n'a pas d'effet sur toi ? Tu as peur. Tu aurais peur aussi si tu voyais ce que l'épouvantail a fait à tes plantes. Et pourquoi moi ? Je te ferais confiance. Parce que sans ton aide, toutes les plantes de cette ville vont mourir. Oh là là, grosse répartie quoi. Pauvre plante. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ça, on connaît. Parlons un peu de ce miracle. J'ai créé une spore pour combattre la toxine de Crane. Facile quand on s'y connaît. Et quand on sait remodeler les molécules des plantes. Ça peut protéger la ville entière ? En théorie, oui. Mais je ne réussirai jamais à en produire assez toute seule. Alors il va te falloir du renfort. Où est-ce qu'on va ? Au jardin botanique. On y trouve les plus vieilles plantes de Gotham. Elles me diront ce qu'il faut faire. D'accord, donc elle a parlé aux plantes. Moi je parle au Joker, elle a parlé aux plantes. Ok, il y a des gros soucis dans ce jeu. C'est le mec. Ok, voilà, petit tour de manège dans le coffre. Hop. Donc, on va se laisser les gars. Voilà, 27, presque 30 minutes d'épisode, mais bon, je suis un petit peu fatigué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le like et le commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gens. Bye bye. We'll be right back.